Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Mordren et bienvenue dans la playlist numéro 6. La playlist, c'est votre émission qui vous fait le point chaque semaine ou chaque 15 jours, on va dire, pour pas trop s'avancer sur l'actualité cinéma, série télé, du moment. J'en profite pour vous faire un petit peu le tour des news passées, mais aussi de vous proposer ma watchlist des choses qui se passent au cinéma, mais aussi sur les plateformes de streaming, et puis de temps en temps, je vous fais des recommandations ou des critiques sur des films que j'ai vus ou des séries que j'ai vues. Mais bon, ça reviendra à partir de la semaine prochaine, cette petite section de l'émission. Aujourd'hui, on est ensemble pour une petite vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes au vu du conducteur des news que j'ai sélectionné cette semaine. Et puis je vous ferai un petit point sur certaines des sorties cinéma ou des ressorties cinéma qui sont intéressantes à mon goût, qui arrivent du coup cette semaine, puisque ça y est, cette semaine il y a des sorties cinéma, donc évidemment on va pas se priver d'en parler. Mais avant ça, vous le savez, chaque semaine je vous fais un retour sur ce qui s'est dit dans l'actualité ciné-série. Il s'est passé quelques petites choses quand même, on va en profiter notamment pour parler de quelque chose de français, puisque la fête du cinéma est maintenue cette année. Vous savez que l'année dernière, on a perdu le printemps du cinéma 2020, la fête du cinéma 2020, et puis le printemps du cinéma 2021. Donc, évidemment, cet événement cinéphile et populaire est très attendu pour le début de l'été. En 2021, la fête du cinéma est donc maintenue, et on a d'ores et déjà les dates de cet événement. Vous le savez, c'est un événement qui permet pour toutes les séances classiques de payer votre salle, votre séance, 4 euros. Donc ça, évidemment, ça ne concerne pas tout ce qui est séance à supplément, donc 3D, IMAX, 4DX, tout ce que vous voulez, mais les séances classiques, ça sera 4 euros le tarif standard, et les dates seront du 30 juin au 4 juillet, si tout va bien. Le 30 juin, c'est une date intéressante puisque c'est le premier jour où, si tout va bien, encore une fois, les salles de cinéma pourront ouvrir à 100% de leur capacité. Donc c'est parfait pour faire en sorte que les gens retournent en masse dans les salles de cinéma, donc la fête du cinéma du 30 juin au 4 juillet, une très bonne chose. Bien évidemment, ça c'est pour la France. Alors, on aura l'occasion dans des prochaines playlists de faire le point sur les sorties cinéma qui vont nous intéresser pendant la fête du cinéma. Mais évidemment, tout ça attendra, puisque c'est l'air de rien. Dans un mois et demi, on attendra aussi, bien évidemment, que tout ceci soit confirmé, puisque bon, vous doutez bien que si on nous referme les cinémas d'ici là, ce qui serait dommage, et j'ai pas l'impression que ce soit l'objectif. Mais bon, on surveillera ça, bien évidemment, comme le lait sur le feu. Je voulais vous faire une petite section casting, parce qu'il y a eu énormément de rumeurs et d'annonces de casting autour de Knives Out 2. Donc c'est A Couteau-2, vous le savez, le film, le thriller d'enquête de Rian Johnson, sorti en 2019 ou 2018, je me souviens plus, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous en avais fait une critique que je vous mets là. Au moment de sa sortie, j'avais beaucoup aimé le film. Un film de Rian Johnson, alors je sais que bon, il est plutôt décrié parmi les fans de Star Wars, mais en tout cas son A Couteau-Tiré était très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé, et il se trouve que Netflix a acheté les droits de diffusion pour les deux suites de ce film, qui est produit entre autres par Rian Johnson et Daniel Craig. Daniel Craig qui est le seul personnage, le seul acteur qui reviendra dans A Couteau-2 et probablement 3 évidemment, puisqu'il campe le rôle du détective Benoît Blanc, et qui va évidemment être amené à élucider une nouvelle enquête dans A Couteau-Tiré et A Couteau-Tiré 3. Et l'objectif, un petit peu à la Hercule Poirot, Miss Marple, tous ces romans et adaptations d'Agatha Christie que l'on connaît bien évidemment, Benoît Blanc va être amené à élucider une enquête qui tourne autour d'un ensemble de personnages qu'on commence petit à petit à nous annoncer. Alors il se trouve que Netflix pour l'instant n'a encore rien confirmé de ces rumeurs de casting, mais bon,
Les exclusivités en général de Deadline sont plutôt bien renseignées, c'est pour ça que je vous en parle en général. Donc le premier de ces membres de casting qu'on nous a annoncé chez Deadline, c'est Dave Bautista. Alors Dave Bautista, vous connaissez, puisque bon alors, au-delà d'avoir été une grande star du catch ou je sais plus quoi, enfin bref, je sais plus exactement d'où il s'est fait connaître, mais maintenant il est désormais complètement acteur. Et évidemment, vous le connaissez pour le rôle de Drax, le Destructeur, dans les films du Marvel Cinematic Universe. Il sera également cette semaine à l'affiche, en tête d'affiche d'ailleurs, de Army of the Dead sur Netflix, on en reparlera juste après. Donc c'est un acteur bon, qui fait son petit bonhomme de chemin, hein, l'air de rien, et puis bah, qui profitera peut-être de ce à couteau tiré 2 pour ajouter une nouvelle corde à son arc, puisqu'on l'a vu beaucoup dans du cinéma d'action, dans des rôles plus ou moins humoristiques, notamment grâce à James Gunn, sur Les Gardiens de la Galaxie. Peut-être que ce à couteau tiré 2 lui permettra d'ajouter une nouvelle corde à son arc. Donc voilà, Dave Bautista, premier acteur à avoir été annoncé au casting de à couteau tiré 2. Le deuxième, et non des moindres, c'est Edward Norton. Excusez du peu. Edward Norton, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Bon, probablement un de ses rôles les plus importants, c'est dans Fight Club. Voilà, c'est probablement un des grands noms qu'on aura face à Daniel Craig dans A Couteau Tiré 2. Il se trouve que le tournage de A Couteau Tiré 2 va commencer en Grèce d'ici l'été. C'est intéressant parce que A Couteau Tiré premier du nom se déroulait uniquement dans un grand manoir du Massachusetts aux États-Unis. Donc là, visiblement, un petit peu à l'image des romans et des adaptations d'Agatha Christie, on va se permettre d'aller explorer un petit peu divers coins du monde, probablement un autre endroit dans le troisième film. Donc ça, moi j'ai évidemment très envie de voir de quoi ça va s'agir. Ensuite, on a deux femmes qui ont été castées dans A Couteau Tiré 2. On pense à Janelle Monáe, qui sera elle aussi dans A Couteau Tiré 2. Alors Janelle Monáe, vous connaissez peut-être pas son nom, mais c'est une figure vraiment montante ces dernières années dans le côté actrice américaine. Elle a été de nombreuses fois nommée aux Emmy Awards. Elle a été récemment aussi dans le thriller Antebellum, qui est sorti un peu avant, à la rentrée 2020, me semble-t-il. Elle était également dans Moonlight et dans Les Figures de l'Ombre. C'est là-bas que moi je l'avais découverte, Les Figures de l'Ombre, qui traitent notamment de ces femmes afro-américaines qui ont aidé dans la conquête spatiale à la NASA. Donc voilà, personnage important, figure qui monte très clairement, Janelle Monáe. Donc j'ai hâte de voir de quoi elle est capable dans cette suite d'A Couteau Tiré. Et dernière personne que vous avez certainement découverte grâce à WandaVision ces dernières semaines plutôt sur Disney+, Catherine Hahn, qui elle aussi a été présentée comme étant au casting de A Couteau Tiré 2 dans les prochaines semaines. Donc bah évidemment, dans WandaVision, vous vous êtes certainement rendu compte de son potentiel à la fois comique mais aussi dramatique. Donc c'est parfait évidemment pour le style de Rian Johnson, qui peut naviguer sur une fine ligne entre les deux. Donc bon, bah c'est ça, à mon avis, c'est un des castings parfaits que l'on retiendra dans cette suite. Voilà, donc ça c'était la séquence casting de A Couteau Tiré 2. Je suis très content de tout ce qu'on nous annonce, et il est probable qu'on nous annonce encore de nouveaux personnages, de nouvelles figures du casting prochainement. Alors, ça, j'étais un petit peu surpris quand j'ai lu ça et que j'ai fait mon tour d'actualité cette semaine. Je me suis rendu compte que le pauvre Robert De Niro, Bob, s'est fait une blessure à la jambe pendant qu'il tournait le prochain film de Martin Scorsese, alors, dont on a le nom en anglais pour l'instant. On ne sait pas s'il va être traduit, mais le film s'appelle Killers of the Flower Moon.
et bah, il s'est fait très mal, le pauvre Rob de Niro. Alors il se trouve que sa blessure n'a pas intervenu sur le tournage du prochain Scorsese qui se déroule dans l'Oklahoma. Mais bon, il se trouve qu'il est tombé et il s'est déchiré en fait un quadriceps. Donc il le dit lui-même, ça a fait très 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 mal. Et bon, il se trouve qu'il a dû retourner à New York pour aller se soigner. Bon, visiblement, ça fait pas partie des blessures trop compliquées à remettre sur pied. Bonne nouvelle pour le film également, il avait prévu de prendre quelques vacances sur le tournage, donc le tournage de Killers of the Flower Moon ne va pas forcément être décalé en raison de cette blessure, donc ça aurait pu être pire, mais bon, à surveiller quand même. Je voulais vous parler aussi de Edge of Tomorrow 2. Alors, il se trouve que c'est un des succès du film de science-fiction de ces dernières années, Edge of Tomorrow, un film réalisé par Doug Liman et porté notamment par Tom Cruise et Emily Blunt, un film que j'aime beaucoup, où vous savez, Tom Cruise incarne un soldat qui doit essayer d'éviter l'invasion totale par des extraterrestres de la Terre, et pour cela... Il se rend compte que à chaque fois qu'il meurt, il revient au même point de départ. Et donc au départ, c'est pas du tout un soldat très expérimenté, et il va côtoyer une superstar de l'action qui est Emily Blunt, et va essayer avec elle de faire en sorte d'annuler l'invasion extraterrestre. Et donc c'est ça le pitch d'Edge of Tomorrow, c'est un film d'action de science-fiction qui est très réussi à mon sens, et bon bah ça fait un petit peu quelques années qu'on entend parler d'une potentielle suite, machin. Bon, bah cette semaine il se trouve que Emily Blunt s'est pas spécialement privée de dire que ça allait être compliqué dans une interview de chez Howard Stern sur la radio Sirius XM. Elle dit tout simplement en fait que le projet est très très cher et que en ce moment c'est compliqué, tout particulièrement chez un studio comme Warner qui aime pas trop prendre de risques. Tout particulièrement en ce moment, ça risque d'être compliqué. Alors, elle réitère le fait qu'elle est très intéressée, que Doug Liman est également très intéressé, que Tom Cruise est également très intéressé, encore que très occupé. Mais bon. Ça sent pas très bon pour Edge of Tomorrow 2, c'est ce qui est dommage. Bon, cela dit, le film est très bien comme ça, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une suite ? Bon, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Tom Cruise également. Alors Tom Cruise qui s'est un petit peu lancé dans une espèce de course à l'espace, puisque vous le savez ou pas, peut-être, Tom Cruise a décidé de tourner le premier film dans l'espace. Et pour cela, il s'est... s'est mis en partenariat avec la NASA, Elon Musk et son programme SpaceX. L'objectif, c'est de l'envoyer dans l'espace avec un réalisateur pour essayer de mettre en image le premier film tourné dans l'espace à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale. Bon, on pourra éventuellement discuter du bien fondé de ce genre d'idées un petit peu farfelues, mais écoutez, voilà, il se trouve que ce projet existe, donc je vous en parle. Mais là où j'ai envie d'en parler encore également, c'est qu'il se trouve que ce projet, bah, les Américains sont pas les seuls à le porter, et que bah, les Russes essaient de griller Tom Cruise, SpaceX et Elon Musk sur le poteau. Bon, je vais pas spécialement donner les noms de tous ces gens qui préparent ça, mais il se murmure que début octobre, l'équivalent russe de la NASA, le Roscosmos, pourrait envoyer des cosmonautes, deux cosmonautes, un réalisateur et un acteur pour tourner, du coup, ce qui serait de fait, grillant sur le poteau Tom Cruise et son réal,
le premier film tourné dans l'espace. Bon, voilà, c'est une petite bagarre d'ego, tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se mettre à se dire « Bon, allez, pour faire une espèce de record et être le premier à faire ça, est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser autant de matériel et autant de moyens pour faire cette espèce de choses un peu farfelues ?» Je ne sais pas. Est-ce que la Station Spatiale Internationale a vraiment besoin de ce genre de choses-là ? Bon, voilà, ça c'est des questions que je me pose, mais je voulais vous le dire, puisque bon, voilà, il y a cette petite bataille de Sgeg qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Il se trouve que Tom Cruise est très très occupé en ce moment avec le tournage des deux Missions Impossibles 7 et 8, et probablement la promotion de Mission Impossible 7 très prochainement. Il est possible que du coup, Tom Cruise perde la course, ça c'est quasi certain. Je voulais revenir un petit peu sur des news qui avaient été, qui sont sorties autour de la série Seigneur des Anneaux. Vous savez que c'est une série que je suis avec beaucoup d'intérêt, donc j'essaie de vous en faire, de vous faire part des nouveautés qui traînent autour de ce sujet. Bon, évidemment, grande série très très attendue, produite par Amazon Prime Video. On connaît son budget pour la saison 1. 465 millions de dollars de budget juste pour une saison qui fera 8 épisodes, c'est énorme. À titre d'information, c'est 5 fois plus cher que la saison 8 de Game of Thrones, qui était donc la plus chère, a priori, de la série de HBO. Donc c'est immense, et il se trouve que Amazon, par l'intermédiaire de la patronne des Amazon Studios qui s'appelle Jennifer Salk, c'est un petit peu expliqué de ce prix absolument faramineux. L'idée en fait, c'est que le budget qui est alloué à la saison 1 permettra de créer la structure de tout ce monde. On appelle ça de la création de monde en anglais, world building. L'idée, c'est de faire en sorte que la plupart des décors qui seront importants pour la série soient construits en saison 1, soient utilisés, et derrière on puisse les réutiliser pour les saisons 2, 3, 4 et 5, puisque rappelez-vous, Amazon s'est engagé à faire 5 saisons sur cette série Seigneur des Anneaux. Évidemment, il va falloir que, au bout d'un moment, Amazon Prime Video brasse beaucoup d'argent pour faire en sorte que ce projet soit valide d'un point de vue investissement, tout simplement. Donc voilà, tout ça, c'est pour nous expliquer un petit peu le côté pourquoi c'est si cher. Probablement la série la plus chère de l'histoire, en tout cas la saison la plus chère de l'histoire pour le moment. Parce qu'on est vraiment dans une phase où les plateformes vidéo investissent des millions et des millions de dollars. Il est possible qu'un jour, cette série soit dépassée, mais pour l'instant, c'est la première. Donc voilà, ça nous explique un petit peu pourquoi Amazon sort le carnet de chèques. On le rappelle avec la news précédente de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, que une partie de ces investissements qui sont faits en Nouvelle-Zélande sont remboursés en plus à Amazon par le gouvernement néo-zélandais. Il y avait une deuxième news intéressante à avoir et à évoquer sur la série Seigneur des Anneaux, c'est que la série a trouvé sa troisième réalisatrice. Vous savez qu'il y aura 8 épisodes dans la série Seigneur des Anneaux. 2 sont mis en boîte par Juan Antonio Bayona, qui est un réalisateur mais qui produit également la série Seigneur des Anneaux. Juan Antonio Bayona qui a signé notamment Jurassic World Fallen Kingdom. 4 autres sont réalisés par un réalisateur que je ne connais pas, qui s'appelle Wayne Cheyip. Visiblement, il a travaillé sur Doctor Who, c'est écrit juste ici, voilà, je l'invente pas. On a désormais le nom de la troisième réalisatrice, puisque c'est une femme, elle s'appelle Charlotte Brandström. Il se trouve qu'elle est franco-suédoise. Charlotte Brandström, pardon, que vous connaissez probablement pas son nom. En revanche, vous l'avez certainement vu dans les crédits de la série The Witcher, puisqu'elle a signé 2 de ses épisodes, la série The Witcher portée par Henry Cavill. Elle a également travaillé pour la série Outlander, et très récemment, elle a réalisé quelques épisodes de la série Jupiter's Legacy sur Netflix. Donc voilà, c'est une réalisatrice qui a l'habitude de travailler sur de grosses séries, et qui pour le coup, par l'intermédiaire de son travail sur The Witcher,
pourrait avoir également obtenu l'expérience de la réalisation de séries et d'épisodes pour des séries fantastiques. Donc voilà, cette expérience probablement va être mise à profit sur Le Seigneur des Anneaux pour les deux épisodes restants. Donc elle est d'ores et déjà en Nouvelle-Zélande et a hâte de travailler sur la série Le Seigneur des Anneaux qui est en tournage à l'heure actuelle et pourrait très prochainement arriver sur nos écrans via Amazon Prime Video. Donc évidemment, l'idée pour Amazon, c'est de pousser les abonnements à sa plateforme de streaming, tout simplement. Voilà, je ne vais pas spécialement revenir sur d'autres petites news un peu... basiques qui sont passées cette semaine. Mais voilà, je voulais retenir un petit peu ces choses-là. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'actualité cinéma et série de cette semaine? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces petites news? Quelles sont vos réactions? Dites-le moi bien sûr dans les commentaires. Et si à tout moment dans cette vidéo vous vous dites « Mais attendez, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. C'est cool de suivre l'actualité ciné et série pour les autres et d'en faire un récap quasi hebdomadaire de temps en temps tous les lundis soirs. » Eh ben, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit abonnement et un petit commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça m'aide bien sûr à poursuivre mes activités. Là-dessus, on va passer à la... watchlist. La watchlist, vous le savez, c'est la manière pour moi de vous proposer des choses à voir qui sont dans l'actualité, qui vont sortir cette semaine. Donc, ces dernières semaines, il y avait beaucoup de choses à dire sur les sorties streaming, mais cette semaine, c'est la première semaine où je vais pouvoir enfin vous parler de sorties cinéma. Et vous doutez bien que j'avais très envie de vous en parler. Les salles de cinéma rouvrent le 19 mai. Et avec elle, un certain nombre de ressorties sont prévues. Alors, il y a un certain nombre de films dont je vous ai déjà parlé à l'époque de mes dernières séances pré-confinement. Donc je vous remets juste au-dessus la vidéo en question, puisque trois des films dont je vais vous parler là tout de suite, j'en ai parlé déjà dans des petites critiques sur cette vidéo. Le premier d'entre eux, c'est Adieu les cons, un film d'Albert Dupontel, avec Albert Dupontel et Virginie Efira, entre autres, un film particulièrement salué lors des Césars 2021. Donc il était sorti le 21 octobre, un truc comme ça, je crois, 2020. Et c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé, qui met en scène deux personnages un peu perdus dans leur vie, qui, par la force des choses, vont se rencontrer et partir dans une espèce de quête pour essayer d'en savoir plus, notamment sur le personnage de Suze Trappet, qui est joué par Virginie Efira. C'est un film que j'aime beaucoup, j'aime un peu moins sa fin, mais c'est un film qui mérite véritablement d'être vu, et particulièrement en salle, avec une bande originale que j'aime énormément, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Évidemment, je voulais vous parler de Drunk. Drunk, c'est un film de Thomas Vinterberg qui a été salué également du César et de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. C'est un film porté notamment par Mads Mikkelsen, un film qui est danois et donc réalisé dans cette langue. C'est un film qui met en scène quatre amis qui sont des professeurs dans un lycée et qui un jour décident, parce qu'ils s'ennuient beaucoup, ils décident de se dire « Attendez, on va faire une étude très scientifique et très poussée sur l'alcool et ses bénéfices sociaux. Est-ce que le fait d'être alcoolisé change des choses dans nos relations sociales? Est-ce que ça change des choses également dans nos capacités au travail ? Des choses comme ça. Donc ils se mettent un petit peu dans cette idée-là de faire un truc très scientifique, une étude qui pourrait être publiée dans des journaux scientifiques. Et donc ils font ça très... de façon très sérieuse, et au bout d'un moment, vous doutez bien que tout ça dérape. Donc un film très... que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, c'est vraiment bien. Un film plutôt adressé aux enfants maintenant, Petit Vampire, un film de Johann Sfar, adapté d'une BD de Johann Sfar. C'est l'histoire d'un petit vampire,
éponyme, qui s'ennuie énormément parce que lui, il est condamné à la vie éternelle, mais à l'enfance éternelle. Et bien le pauvre, il s'ennuie énormément. Alors même si ses parents essaient d'organiser régulièrement des séances de cinéma dans le manoir familial, en compagnie de ses sbires, de ses sbires frankensteinesques, j'ai envie de dire, ça ne suffit pas, parce qu'il commence à avoir vu un petit peu tous les films d'horreur, et ça, il s'ennuie profondément. Lui, ce qu'il aimerait, c'est vivre une enfance normale, avec des enfants humains, mais il se doute bien que c'est pas possible. Mais un jour, il va rencontrer un enfant humain, et il va vivre une aventure. Voilà, donc ça c'est Petit Vampire, un film, à mon avis, qui fonctionne très bien sur les enfants. Maintenant, on va parler des sorties en bonne et due forme du 19 mai, puisque là, ça, jusqu'ici, c'était le ressorti. Maintenant, on va parler des sorties, des nouveautés, si jamais vous aviez déjà tout vu. Voilà, qu'est-ce qui sort le 19 mai ? Eh bien, il sort Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux. Alors, Quentin Dupieux, vous savez, c'est un cinéma très particulier, un cinéma avec beaucoup d'humour absurde, que vous avez peut-être vu notamment dans Au Poste, qui était très cool Au Poste. Et ben Mandibule, c'est le même délire, puisque c'est encore le style Quentin Dupieux. Là, on est vraiment dans de la comédie absurde, portée par les membres du Palmacho, Grégoire Ludig et David Marsay, qui, un jour, découvrent une énorme mouche. Et se disent, parce qu'ils sont un peu con-con, on va essayer de la dresser pour gagner de l'argent avec. Mais comment on gagne de l'argent avec une méga mouche ? Est-ce qu'on la dresse pour qu'elle aille braquer des banques et nous fasse plein de thunes ? Est-ce qu'on l'adresse pour qu'elle fasse des numéros un petit peu en mode cirque ambulant ? Voilà. Bon, ça a l'air, encore une fois, hyper barré. J'ai très très envie de voir ce film. C'est probablement un des premiers films que je vais aller voir en salle pour la réouverture des salles de cinéma. Mais voilà, Mandibule de Quentin Dupieux. La suite avec Falling, le premier film réalisé par Viggo Mortensen. Alors Viggo Mortensen, bien évidemment, ça n'est pas que Aragorn dans la trilogie Seigneur des Anneaux, c'est désormais également un réalisateur qui aujourd'hui nous propose un drame familial où il doit, avec sa sœur, parce que Viggo Mortensen joue dans son film, il doit gérer avec sa sœur la vieillesse de son père et sa sénilité. Alors il se trouve que c'est un personnage patriarcal très compliqué, un homme très rugueux qui a toujours été plus ou moins dans la violence psychologique auprès de ses enfants, tout particulièrement son fils, quand il a appris que celui-ci était gay. Et donc, le fait que ce frère et cette sœur doivent gérer la fin de vie, hein, très clairement, de leur père, dans des circonstances très complexes, alors que lui est plus ou moins en train de devenir sénile, ça va évidemment créer des tensions et révéler un petit peu des choses de cette famille. Donc ça a l'air difficile comme sujet. Mais probablement, voilà, un drame à aller voir si vous êtes friand de ce genre de film. Je voulais parler évidemment. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes à noter pour les fans d'animation japonaise cette semaine. Donc, Demon Slayer, le film, en est évidemment un exemple. Alors, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Le Train de l'Infini, c'est le premier film Demon Slayer. Il se trouve que c'est un film qui bat tous les records en termes de box-office, qui est très 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 demandé dans le box-office mondial, mais aussi au Japon, et qui arrive du coup en France en qualité de film très très attendu. Alors moi j'y connais rien du tout parce que j'ai pas encore vu Demon Slayer, j'ai très envie de voir. Il se trouve que c'est une suite directe qui adapte les bouquins, les tomes 7 et 8, de Demon Slayer et qui du coup se déroule après la première saison, donc après les 26 épisodes, je crois que c'est 26, de la première saison de Demon Slayer. Donc bon, il va falloir que je fasse un petit peu de rattrapage avant de pouvoir le voir, mais j'espère qu'il va rester un petit peu à l'affiche. Encore de l'animation, mais cette fois un mix entre prise de vue réelle et animation, c'est le film Tom et Jerry. Tom et Jerry, qui est produit par Warner Bros,
qui du coup sont certains des personnages qui sont animés dans un monde réel, on va dire, où l'on voit notamment Chloé Grace Moretz, qui est employée par un hôtel grand luxe pour essayer de gérer une situation problématique, c'est-à-dire qu'il y a une souris maintenant qui vit dans cet hôtel, il se trouve que c'est Jerry, et bien sûr, qui va-t-elle embaucher ? Tom, pour essayer de choper cette fille effet souris. Vous doutez bien évidemment que tout ne va pas se passer comme prévu, alors qu'un mariage luxueux doit avoir lieu dans cet hôtel. Donc évidemment, ça, à mon avis, pour les enfants, pour les familles, ça sera a priori parfait. Science-fiction, mais française. Et oui, puisqu'une fois n'est pas coutume, on a des essais de cinéma de genre par la France. C'est un film qui s'appelle Le Dernier Voyage, dont le pitch est plutôt étonnant, puisque ça se déroule dans un futur proche où une catastrophe planétaire littérale va arriver sur la Terre, puisque une lune rouge se dirige droit vers la Terre et on demande, il y a une seule personne qui est censée pouvoir éviter ça, c'est une espèce de un astronaute, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est un astronaute, ce qui est le seul capable d'éviter cela, décide de ne pas mener à bien sa mission et de partir en fuite. On ne sait pas pourquoi, probablement on va le découvrir tout au long du film, et donc ce personnage, par la force des choses, pendant sa fuite, va rencontrer une adolescente fougueuse, qui va elle aussi l'accompagner dans sa fuite. Donc, alors, moi j'ai regardé un petit peu la bande-annonce, il y a quelques trucs qui sont super bien réussis d'un point de vue visuel en termes d'effets spéciaux, des trucs un petit peu moins bien réussis, mais je suis quand même très curieux de voir ce que ça peut donner quand la science-fiction française se donne les moyens d'essayer de faire un truc sérieux. Donc moi j'ai très envie de voir Le Dernier Voyage. Encore film d'animation japonaise. Alors je vous en avais déjà parlé, c'est un film que j'aimerais bien voir qui s'appelle Violet Evergarden. Je crois que c'est la suite de la série du même nom, la série animée du même nom. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de voir la série qui se trouve sur Netflix, d'ailleurs, pour info. Donc j'ai très envie de voir ça. Maintenant, il va falloir que je me dépêche si je veux choper ça en salle avant que ça quitte l'affiche. Donc si c'est votre cas, bah faites de même, tout simplement. Également, un film d'animation japonais, Ongaku Notre Rock. Qui est un film au visuel très spécial, il faut rentrer dedans, mais le pitch est intéressant. C'est trois lycéens qui se décident de créer un groupe de rock alors qu'ils connaissent rien à la musique. Wow. Le concept est cool, donc j'ai hâte de découvrir ça, même si malheureusement ça passe pas en salle à côté de chez moi. Voilà. Ça, c'était pour les sorties cinéma et les ressorties cinéma du 19 mai. Maintenant, évidemment, vous doutez bien qu'il reste encore des choses à faire sur les plateformes de streaming. Donc, je voulais vous parler, bien évidemment, de probablement le blockbuster qui sort sur les plateformes de streaming cette semaine. C'est Army of the Dead. À ne pas confondre avec L'Armée des Morts, qui n'est pas... Army of the Dead n'est pas un remake de L'Armée des Morts de Zack Snyder. Army of the Dead est un film de Zack Snyder qui est original. L'Armée des Morts de Zack Snyder, qui est sorti en 2004, était un remake du film du même nom de George Romero. Faut suivre. Mais Army of the Dead, porté par Dave Bautista, donc, dont on a parlé un petit peu plus tôt dans cette playlist, et d'autres acteurs un peu moins connus, on va pas se mentir. L'idée, c'est qu'ils forment une espèce de Suicide Squad, très clairement. Komodo Suicide, qui part en quête d'un braquage impressionnant à Las Vegas. Voilà. Et bon, le problème, c'est ce qu'on leur a pas dit, c'est que la ville est complètement submergée par une horde de zombies. Des zombies rapides, a priori. Voilà, et d'autres trucs un petit peu étranges
zombiesque. Donc voilà, c'est le film à gros budget de Netflix cette semaine. Il est probable que ça pétarade et que si ça marche bien, on ait des suites qui soient mises en place. C'est réalisé par Zack Snyder qui revient du coup à une de ses premières amours qui est le film de zombies. Et c'est son deuxième projet à sortir en 2021 après sa Justice League, sa Zack Snyder's Justice League, la fameuse Snyder Cut qui est sortie sur HBO Max et en France en VOD au mois de mars de mémoire. Sur Disney+, ah oui pardon, je ne vous l'avais pas dit, mais Army of the Dead ça sort le 21 mai sur Netflix. MODOK. MODOK c'est sur Disney+, c'est une série d'animation en stop motion, vous savez, comme une animation un peu pâte à modeler, en image par image, qui adapte un des personnages les plus inadaptables probablement de l'univers Marvel, c'est MODOK, une espèce de gigantesque cerveau humain, qui est, par la force des choses d'ailleurs, un super vilain. Voilà, donc c'est porté par Patton Oswalt. Les critiques sont pas géniales autour de ça, mais il faudrait que je regarde. Il se trouve que du coup ça sort sur Disney+ le 21 mai et que ça sera disponible dans la catégorie Star, puisque c'est a priori assez violent, puis il y a du potentiel un peu humour noir et un petit peu gore, donc pas spécialement pour les enfants. Également sur Disney+, le 21 mai, alors ça ne fait pas partie du Marvel Cinematic Universe, même si peut-être un jour ça en fera partie, Deadpool 2. Deadpool 2, qui est donc la suite de Deadpool portée par Ryan Reynolds. Et bah voilà, le deuxième, plus fort encore, plus violent, plus tout ce que vous voulez. J'aime un peu moins Deadpool 2 que Deadpool 1, même s'il y a des trucs un peu rigolos qu'il fait. C'est pas spécialement celui que je préfère. Ça c'est le 21 mai, et encore une fois, ça sera sur Star. Dernière chose que je vous ai sélectionné, et non des moindres pour cette semaine de streaming, ça sera le 18 mai, cette fois, c'est la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, qui sera disponible sur Amazon Prime Video. Le 18 mai, alors bon, je vous refais pas le pitch, mais Spider-Man 2002 avec X-Men est probablement un des films qui a permis de relancer la machine d'exploitation des super-héros au cinéma. Bon, c'est voilà, sans ces deux films-là, on n'aurait probablement pas eu toute la vague qui a suivi. Voilà, Sam Raimi dans le 1 et le 2, même si moi j'aime beaucoup encore le 3, il y a beaucoup de gens qui chient dessus, mais moi j'aime beaucoup le 3 aussi, j'aime beaucoup toute cette trilogie honnêtement de Sam Raimi, et probablement donne probablement la matrice du film de super-héros tel qu'on la connaîtra dans les années suivantes. Donc vraiment voilà, pour se refaire un petit plaisir nostalgique, revoir Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker et Spider-Man, c'est forcément un plaisir incommensurable. Voilà, ça c'était pour la watchlist de la semaine. Mais je me rends compte que finalement, l'émission cette semaine était plutôt longue, puisqu'il y avait beaucoup de choses à dire, notamment dans la watchlist. Alors, qu'est-ce que vous allez voir, vous, cette semaine? Est-ce que vous allez aller au cinéma? Est-ce que vous allez regarder des choses que je vous ai sélectionnées dans la watchlist de streaming? Partagez avec moi tout ceci, bien sûr, dans les commentaires. Laissez-moi un petit pouce en l'air pour me donner, évidemment, envie de continuer tout ceci dans un format hebdomadaire. Ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite, bien évidemment, de profiter des salles de cinéma entre-temps. Salut tout le monde. Ciao, ciao.